Vas-y. À 120, tu commences à tirer, hein. Et plus vite après 160, sinon tu éclates tes pneus. Ah ouais, d'accord. Yo les jeunes, c'est Ipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur DCS pour une nouvelle vidéo à bord du Mirage 2000. Cette vidéo a été réalisée lors d'un live sur Twitch qui a duré à peu près 2 heures. J'étais en compagnie de Wolf, de Papa et de 3 membres des Bob, Dark, Brezou et Franck. Et l'objectif de cette sortie était de m'entraîner au décollage, au vol en formation, au refuel sur un tanker et à l'atterrissage. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. Je reste à fond, Wolf, les gaz. Mais là, t'as Oui, pas il y a plein de PC pour décoller. Hein. Et je te dis, à 100, tu commences à tirer. Non, mais 120, je suis derrière toi là, mais est-ce qu'en vol, je reste à fond? Ah non, j'ai coupé la PC. Moi, je suis à 100% pour l'instant pour monter. D'accord. Ok, 100%. T'as quel cap, Dark, là où tu regardes? 0,5. Ah ouais, d'accord, je suis clairement en phase. Je pense que je vais reprendre un appareil parce que je suis blindé d'alarmes et que je sais pas du tout ce que j'ai fait pour avoir plein d'alarmes. Mmh, tu veux que je ralentisse? Un petit peu, ouais. Ouais, je ralentis. J'ai trop modifié ma commande d'arc, du coup je suis pas assez sensible. Bon, c'est pas grave. Je suis tombé 90%, ça va me faire tomber la vitesse. D'accord. T'as toujours visu? Ouais. Que derrière vous, les gars. Wolf, t'as mis un attaquant sur le tanker, non? Ouais. C'est quoi? Marqué dans le briefing. Je le connais pas de tête. Je te dis ça, Franck. Ouais, s'il te plaît. Briefing. Alors, tanker, il est où? Tanker, callsign, Arco. Texaco. Texaco, tu cherches Texaco. Alors. Tu montes plus là, Wolf, on est d'accord. Si je monte, mais j'ai réduit. D'accord. Texaco. T'es sûr que t'as mis Texaco? Je le vois pas. Warrior, Focus, Arco. Ah si, Callsign, Texaco, ouais, le deuxième. Attaquant 16X. Je commence à tourner à la gauche. Ok, je t'remercie. Ah bah ça y est, mon directionnel s'allume, Francky. Donc reviens après, je fais la mini pizza pour avoir le directionnel. D'accord. Ça va, tu rejoins? Bah du coup j'essaie de couper un peu à gauche là, mais je te vois tourner là. X-RSS t'as dit le train. Ouais, c'est ça. Ah t'as bien tourné là. Attends, faut que je ralentisse du coup. Bah bien... C'est toi qui as descendu, Tipex. Je dois être, je suis à 30 degrés, hein. Je suis pas foufou. Hein. Je vois Tipex, il fait du yo-yo autour de toi là. Ouais. Ouais, je pense que c'est lui que je vois. Ouais, en haut, en bas, en haut, en bas. Je te vois plus là. Je suis en dessous, toi, je suis en dessous. Ouais, il est en dessous. Oh là là. C'est une catastrophe. Le vol en formation, c'est pas pour moi pour l'instant. Voilà. Je suis là. Attends, je vais essayer de stabiliser là. Bon, bah, je vais m'aligner 270. Je vais me mettre la place, je suis à 16 000. Histoire de bien choper le tanker au passage. C'est lui qu'on voit là-bas au fond, là, la traînée là. Ah, papa, je suis juste derrière toi. Hein. Silver. X-16, ah, ok. Salut Tipex. Salut. Et bah alors, pourquoi il veut plus se réactiver lui? T'as combien de pourcents, Wolf, toi là? 80. Je te dis quoi tout à l'heure? 86. Ok, je vais ralentir alors. Ouais, ça, je dégage tout ça. Ouais, je descends à 85. Je revois un qui arrive sur mon aile gauche. C'est moi. Stable, ça va être papa. Non, Tipex? Non, c'est moi. Je suis derrière. Waouh, il est stable. Attends, je veux pas te percuter là, je ralentis. Ralentis un peu, ouais. Ah, enfin, le but c'est de rester au même niveau, c'est pas de passer en dessous. Mais non, mais je veux pas te rentrer dedans. T'es où? T'as replacé devant? Il est au-dessus de toi, Tipex. Ah oui, il est bien au-dessus, ok.
Regarde, je passe la tête dehors, attends. Moi, je remonte un petit peu, alors. 16 000, combien t'es, là? 16 300, je suis en légère montée. Je crois que t'as mis deux fois le même appareil pour le refuel, donc on va pas pouvoir refuel. Ah si, il a les potes sur les côtés, j'avais pas fait gaffe, lui. Putain, merde. Et attends, tu me prends pour qui, là? Première vue, un boulet. C'est clair, mais... Si je t'entends compter, tu le merdes. Le débutant d'édition, il vient me voir, alors que ça fait 7 ans que j'en fais. Et il me dit, mais t'es planté. Non, mais si j'étais en train de passer d'avion en avion, puis je fais, merde, il y a les 4 réacteurs, mais il n'y a pas les potes. Il n'y a pas de ravitaillement entre les réacteurs. J'ai fait du ravitaillement l'autre jour, j'en ai fait encore ce matin. Je te vois pas, Dipex. Derrière toi, dans tes 7. Derrière toi. Ah, tu sais pas qu'on pouvait mettre la tête dehors en mirage? Si, si, c'est... J'ai une bulle spéciale, moi. Ah, mais vous êtes loin, vous. Non, après, imagine la gueule de ta tête si tu la sors comme ça. À Mach 1, je te raconte pas le brushing. C'est clair. Moi, je peux la sortir, ça va? Francky aussi. Bon, j'ai réduit de 80% parce que... T'as réduit de 80%? Ouais, 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 je suis à zéro là, je découpe les moteurs. Ah, mais on est arrivé ici. Ouais, effectivement, soit on monte, soit on va à gauche. Pourquoi? Parce que on va croiser deux ou trois mirages suivant un tanker et on est au même niveau. Ah, je vois papa dans mon rétro. Salut. Alors maintenant que tu m'as bien rattrapé, je vais faire un virage gauche. Et tu vas recommencer. C'est prêt? Ah bah oui, on va partir, on va suivre la côte là. Je pars à gauche. Allez, vas-y. Et 30 degrés. Et 30 degrés. Je suis carrément en dessous de toi, quoi. Oh putain. Mais t'es où, Tipex? Ah bah c'est papa derrière toi, cherche pas. Hein. Moi je suis dans tes 5, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, celui qui bouge dans tous les sens, ça va être Tipex. Voilà, c'est bon. On a dû la retrouver. Non, tu dois être par là. Vous êtes à quelle altitude? Mon avion, il a fait un truc, j'ai rien compris là. Oh, je vous ai perdu, c'est mort. 16 000. Ok. Je vous ai perdu, hein, complètement. On suit la côte. Vous avez la mer sur votre droite, d'accord? Il y en a encore un qui vole avec les aérofreins, là. T'as combien, WAF 85, là, de puissance? 90? Non, j'ai réduit à... Ils sont sur ta droite. Comment, Brizou? Ils sont sur ta droite, les contacts. Je viens de te passer, là, je rejoins la formation. Je viens de chercher, je t'emmène sur eux. Oh, j'ai un sauveur. Après, faut que j'arrive à suivre. Mon cap et ta vitesse. Mon cap. Vas-y. Regarde à droite. Attends, déjà, je vais réduire les gaz là. Je te vois, je pense que c'est toi que je dois avoir un peine plus haut. Je suis en cap 17-419. Roger. Ouais, je suis en train de refermer sur toi, je suis dans tes 5. Et t'es en parallèle, on est sur ta droite. Hein. Vous êtes au-dessus de la mer, vous? Juste sur le trait de côte. Là, on est dans tes 4, tu vas un peu plus vite que nous. Ah, d'accord. Ah, ok, ouais, je vois aussi là-bas. Ouais, il est sur. Il va arriver sur nos 10 heures là. Bon, Brizou, quand est-ce que tu pilotes un Mirage? Fin de semaine prochaine, je pense. Je me suis bien entraîné sur DCS, je le sens bien. J'ai appelé le mec, il me fait ouais, franchement, c'est bon. Vous avez demandé un avion pour aveugle, merci de regarder à votre droite. Ah, je te vois, Brizou. Ok, tu me suis? Nous fais pas le coup de la GoPro qui a plus de batterie, hein, par contre, quand tu seras en mirage. Tu me suis à droite? Vas-y. Tiens, je suis dans ton siège, je me prends ton siège, ouais, c'est... Je pousse les gaz un petit peu là, t'as combien toi? On va maintenir 409.
Ouais, soit tu voles plus bas, soit tu t'es... Ouais, tu t'écartes, ouais, t'es pas ouais. mal. Ouais, je suis bien. Vous êtes à quelle altitude là, les gars? 16-400. 16-400, hein. Ah, ok, visuel, sont... on arrive. Voilà. Ah, ça y est, je vous vois, ouais. Tu les vois là à midi et demi? Ouais. Y'a combien d'altitude vous êtes là? C'est 400, mais y'a Wolf qui vient de disparaître hein, dans ces moyens-là. C'est quoi, c'est les turbulences que j'ai ou quoi là? On va faire demi-tour. Hein. Moi je rentre pas dans l'espace aérien turc. Hein. Vous êtes à quelle vitesse? 320. Ouais. Et toi, Bruzo, t'as combien? 500 montées. Ah, il y en a un autre qui recolle sur vous là, je sais pas qui c'est. C'est toi, Franck? Ah, c'est toi, Dark. Franck, il doit être avec le tanker, je pense. Ouais, je suis bingo, plus que bingo, moi. Bonjour, monsieur, c'est pour les calendriers. Je suis pas intéressé. Pas intéressé. Moi, tranquille, monsieur. Est-ce que vous auriez une minute pour parler de Jésus-Christ? Oh putain. Vite, descendez-le. Bien doux. Ah, mais faut pas le prendre comme ça, monsieur. En vient. Vous êtes à combien en pourcentage? On n'a pas changé. 80. On n'a pas le même, on n'a pas le même emport. Et voilà, ce que j'allais dire en plus, t'as pas la même, toi tu vas mettre plus que nous. Ce qui compte, c'est purement la vitesse. Vous êtes à combien en vitesse? 320. Autour, dans les alentours des 320. Ouais. Ok. T'es à la paix ou t'es à la main, là, Wolf? Mais que ce soit la paix ou la main, c'est pareil, l'avion est sur un rail. Ah bah, non, pas vraiment. Non. Ouais. Non, pas vraiment non plus. Hein. Bon, alors le rail, il est gondolé chez moi, je peux te le dire. De faire coller les séries avec moi. Avec des chats. On n'aime pas les chats. Ouais, je préfère les poneys. Je suis allergique. Ah, et bah ça tombe bien que vous dites ça, monsieur. J'ai également. Alors, oh, merde. Donc, c'était qui le deuxième allié à droite là, c'est papa? Ouais, moi je suis côté droit de Wolf. Ouais. Moi je suis aussi de Wolf. On va y arriver, les copains, on va y arriver. On y est à fond là. On n'est pas trop mal là. Me dites pas que vous faites une boucle ou je ne sais quoi dans pas longtemps. Si si. Ça fait une demi-heure que j'essaie de... Oh là. Oh les turbulences. Oh la vache. Ah, les turbulences, c'est méchant. Hein. Ton rafale, il a mangé mexicain. Mirage. Ton mirage, pardon. Les Tipex, on va au tanker. Bah ouais, déjà j'ai du mal à vous coller, alors j'imagine même pas le ravitaillement. Moi ouais, je décroche, je vais consommer un peu. Bah Tipex, ce qu'on peut faire, c'est que je peux back sur toi, je vais mettre en autopilote, comme ça t'auras une donnée constante, c'est un bon exercice. Ok, moi je suis le plus proche de toi en haut à droite. Ouais. Si tu veux, je te fais un cap propre à l'autopilote, c'est un bon exercice pour la forma, parce que sur des valeurs changeantes, c'est quand même assez... Attends, j'enlève la PC là, parce que... Ah oui, je veux bien, ouais. Alors, où est-ce qu'il est? T'as quelle vitesse, là? Je vais trop vite, là, je suis à 460. Moi je réduis. Oh, ok. Ce que j'arrive pas à faire, c'est maintenir la ligne d'horizon. Enfin, ouais, vraiment. Bah, justement, c'est pour ça. On va faire, si tu as envie, un exercice ensemble. Tu vas voir, c'est pour t'entraîner à la forma. C'est pas mal. Et plus, c'est Coco. See you. C'est moi qui te double par la droite.
Voilà, regarde, je suis en palier, je vais maintenir 409 pile poil et je vais rien toucher d'autre. Vas-y, je vais essayer de te coller. Ah, donc 400 nœuds pour le cap là. Ton altitude là, t'es à 14, non 13,680, mais je vais monter à 14 si tu veux. On va mettre un contre-pont. T'as pas besoin d'airbreak, hein. T'as encore la distance. Ah ouais? Ouais. Hésite vraiment pas à me remonter, quitte à enlever des gaz, mais l'airbreak c'est vraiment quand t'arrives beaucoup trop fort et que tu vas être à mon niveau. Voilà. Pas mal ça. Attends, je vais te dépasser, je vais avoir la haine. Airbreak un peu. Ah putain! Stabilise. Non, c'est pas mal. L'inertie va te laisser dans mon aile. Voilà. Ah, du coup, je repère, tu vois, j'ai baissé les gaz et j'ai perdu 10 km/h. Ouais, faut penser, t'as au moins 3-4 secondes de battement facile. T'as les petits chevrons qui t'aident sur le côté aussi, Tipex. Sur le head? Ouais, pour savoir si t'accélères ou t'habilles. Hein? Moi, je m'en sers pas mal, hein. Les chevrons? Bah, sur tu sais, t'as le rond au milieu et t'as deux flèches qui visent vers le centre, ouais, sur les côtés. Mm-hmm. Bon. Et ça, c'est je décasse la forme. Alors, c'est pas tes gages, je crois que c'est ta vélocité en rapport à je sais plus quoi. En gros, parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont toujours écartés de la même distance, moi, non? Non, c'est par en fait, tu vois ta maquette? Tu vois ta maquette de ton appareil sur ton head? Ouais. Si tes chevrons sont au-dessus de ta maquette, tu accélères. Si tes chevrons sont en dessous de ta maquette, tu freines. Si t'es au milieu, si c'est plus poil sur ta maquette, c'est t'es stabilisé. Merci, d'accord, ok. Ça me va ça. Ça pour pour la formation, c'est pratique. Ah ouais, non, je savais pas en fait. D'accord. Donc ça te permet de faire en sorte que quand tu enlèves des gaz pour quand t'arrives plus fort que moi, une fois que t'as descendu en dessous, tu remets des gaz pour que ça revienne dessus. Une tonne 4, moi ça j'ai encore de quoi aller me poser au pire. Ouais, ça a de la gueule ça, Tipex. Pas mal ça. Bien, il regarde, trop d'airbreak. Et ben, y a plus besoin. Là. Ah! Je suis à 403 là, je vais te rentrer dedans. Non, y'a de la marge. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi proche d'un autre avion. Oh putain. No stress. Je te laisse passer en dessous. Non, je suis en dessous de toi, par à droite. Ok. Voilà. Oh, tu vends des calendriers, c'est ça? Là, t'es trop vite, là. Ouais. Tire sur le manche. Si tu vérifies le Franck, c'est dans ton dos, du coup. Ah, t'es bien, là, Tipex. Là, le placement est bon. Faut que tu maintiennes ton palier et que tu resserres un peu sur la gauche, mais le placement est bon. Ouais, bon, je vais chercher. Comment ça, je maintiens le palier? Ah oui, tu montes pas et tu descends pas. C'est vrai, tu récupères pas. Non. Tu mets du manche à gauche, du roulis vers la gauche. Il y a quelle altitude de ton cœur là? 16 000, je crois. 15 000, ouais. 16 000. De toute façon, il donne toutes les infos quand tu l'appelles. De quoi? Il te donne toutes les infos quand tu l'appelles. D'accord. Tu tires un petit peu sur le manche pour monter. Ah ouais, ce que je suis en train de faire, doucement. Papa, si tu veux aller une piste, c'est une piste de départ qui est en taquant 31X. 31X? Ouais, et tu mets ton taquant sur TR et pas AA. T'es où là? Ah, t'es dans... Ouais, 31X. Je t'ai perdu. Ah ouais, t'es passé sur mon aile gauche à ta droite. Oh putain, c'est ouf, hein. Ah bah c'est dur, hein. Oh là là. En gros, j'aurais pu te rentrer dedans, là. Pour moi, t'étais toujours sur la gauche. Ah, c'est ouf. Oh. C'est pour ça qu'il faut jamais arriver plein au-dessus ou plein en dessous. C'est comme ça que tu fais des accidents. T'arrives en dessous, sous l'aile, tu montes, tu places et tu verrouilles. Ok, je fais un virage gauche. Top. Donc là, c'est virage en palier à vitesse stabilisée, donc tu devrais pouvoir tenir ça normalement.
je m'aligne final. Hey, regarde-toi là en sortie de virage, t'es en format et tout. Presque, hein. Ah ouais, ouais. Ah non, je pensais que t'allais être carrément aux fraises et... Non, t'es bien, non ça va. C'est toi, Franck, qui refuel? Dans la Franck qui déconcentré, c'est une machine, dit comme ça. Je crois qu'il est pas plug, si. Oh, et puis l'enculé de Texaco, il gère gauche. Ah, ça, c'est cool. J'ai pris un vieux turbulent. Vieille turbulence. Ouais, je t'ai vu, ouais, je t'ai vu là. Ok, je break droit à Tipex, attention, je RTB. Merci, hein, puis pour les calendriers, on verra plus tard. Qui est en arrière là? Il m'a pas réparé le train d'atterrissage, Fleu. Qu'est-ce qu'il y a avec Franck là? Ah, c'est toi qui traînais derrière. C'est toi, Wolf, qui vient d'arriver? Ouais. Moi qui break droit, Wolf, j'avais plus de soupe. Ouais, je t'ai vu partir. Donc là, en gros, si moi je lui demande pas la radio, je pourrais pas refuel. C'est ça? Non. Ouais. Dites-moi la radio ce qu'il faut que je fasse, hein. Brizou. Ouais, à gauche, tu vois là où tu as les gros boutons zébrés jaune et noir sur un panneau à gauche vertical. Ouais. En dessous de ça, sur la partie horizontale, t'as un gros bouton rotatif qui ressemble à un truc avec 4 boules. Ouais, enfin, ouais, j'ai vu. Et à droite de ça, t'as un chiffre. Tu fais tourner ce gros bouton noir jusqu'à ce que le chiffre soit 9. Ok, c'est bon. Je et normalement, en face de toi, sur le au-dessus de ton horizon artificiel, la deuxième ligne, c'est écrit 235 décimales 97. Ah, attends, j'essaie de au-dessus de mon horizon artificiel. Oui. Je vais marquer 235 décimales 97. J'ai aucune... J'ai que des tirets. D'accord, c'est que ta radio est pas allumée. C'est bon, 235,97. Ah, c'est voilà. Là, normalement. Là, c'est bon, là, t'as la bonne fréquence. Là. Bon, Franck, j'arrive comme une balle. Fais un coup de morse pour oui, deux coups de morse pour non. C'est toi qui es à l'arrière, là? Ah, non, c'est moi, je vais sortir la deuxième. Je suis assez loin, là, quand même. Ah, ouais, d'accord. J'ai pas réussi tout à l'heure. Non, vas-y, accroche. Moi, j'ai pas allumé, enfin, j'ai pas ouvert la perche. Hein. Je prends pas de kéro, là. Non, mais je demandais à Tipex si pouvait lui rester. Ah, ok. Bah non, mais 2470, moi. Ah, d'accord. Non, mais le temps. Franchement, vas-y, Franck. Ok, vitesse contrôle, le piste 27, je vais dégager par la troisième. Ah, y'en a un autre qui arrive là, comme une balle, là, c'est qui? Moi. Eh, tu me piques pas ma place, hein, j'étais là avant toi, c'est juste que j'ai du mal à intégrer la file d'attente. Avec qui va à la chasse? Enfin, la chasse. Non, mais j'y arriverai pas. Hein. Si, regarde, on accroche. Ok, la 27 est dégagée pour celui qui voulait décoller. Vas-y, fais une VF3, tu vas être content. Ah merde. Ah, vous êtes beaux tous les trois là. Ah. Et là, canon. Ma place. Je vais réessayer, mais bon. C'est chaud, putain. Vas-y, stabilise Dark, je vais me mettre en dessous. Et moi, je vais pomper sur ton réservoir. Non, non, non. Ouais, tu vas me faire un plusieurs. Bouge pas comme ça, Doug. Voilà. Oula. Ouais, attends, je suis en train de m'effondrer. Non, mais je suis rentré dans les turbulences surtout. Wow, merde, t'as touché. Ah putain, je pensais... Qu'est-ce qu'il y a? Merde, y'a plus de tanker. Ah non, t'es sérieux là? Y en a un qui a cassé le tanker, ouais. C'est pas ouais, moi. J'ai un nom, j'ai une vague idée, mais je veux un nom. Un nom qui commence par D... Et qui finit par Bart. Cheers, gars. À chaque fois qu'il vient, il fait une connerie, lui. Hein. un nom qui commence par Bart, ouais. Après... Est-ce que t'es vraiment le mieux placé en termes de TK? Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Ouais, mais c'est longtemps que t'as pas joué.
On appelle ça les vacances. J'ai les lives pour justifier que sur les derniers lives, je n'ai pas fait de team kill. Le problème, c'est que j'ai cassé mon radome. Bon bah maintenant, comment je fais pour rentrer maintenant? À la nage. Bon bah du coup, on va tenter un atterrissage et puis voilà quoi. Atterrissage, c'est facile. C'est plus facile que le réarme, que le refuel. Claire. Je t'attends pour admirer ça, Tipex. De quoi? Pour te voir te poser. Non, non, mais je pense que... Attends, je regarde, je fais F10 là pour me regarder sur like. On va vers c'est où là? Bordel. C'est n'importe quoi l'aéroport, tous les points. On va vers Senaki, c'est ça? Ouais, je crois. Ouais, c'est à Senaki, ouais. Et c'est la direction Senaki. Pour atterrir, c'est en direction... Normalement, c'est la 27. Normalement, c'est la 27, ouais. Mais t'as vu tous les panneaux de points d'attente, c'est les mêmes. La 27. Ah oui, d'accord, faut que je fasse une boucle alors. Vente arrière. Tu remontes, hein, t'es trop. Faudrait que tu sois à 2000 pieds pour. Non, mais j'essaie de faire une boucle à gauche, mais j'ai perdu la piste. C'est fou ça. En fait, j'allais trop vite pour la prendre directement. Allez là. Yes, c'est moi, j'allais. Du coup, je redescends. Bon, j'attends vos consignes après. Ce que tu peux. Non, mais les vitesses au moins. Mets-toi à 300 nœuds là si tu peux. 300 nœuds dans l'axe. T'appuies sur APP, t'auras pas à te poser la question sur la vitesse. Voilà, c'est ça. C'est pour le easy ça. Ah bah, je croyais qu'il fallait des procédures. Ah ouais, non, mais l'ILS, tu peux utiliser l'ILS, mais tu fais à la main. Hein. Ouais, l'approche automatique, c'est pas mal quand même. Et enfin, là, moi, APP, j'ai pas de delay, j'ai rien, j'ai que la OA. Hein. Ouais. À combien j'ouvre le... Enfin, je... Là, tu devrais déjà les ouvrir, là. C'est toi qui viens de poser, Wolf, là. Ouais. Oui, c'est ton pote d'aéroport, donc c'est libre. Je vous ai pas donné trop d'infos, hein, je vous... Ah. D'accord, réduis la vitesse là, tu vas trop vite. Une approche entre 200 et 150. Et okay, au dernier moment, tu réduis à 100. Moi je rentre à 190 et je fais mon arrondi régulièrement, ça se passe pas trop mal. 190, je pense que c'est la bonne. Le bon compromis. Le train est sorti, hein? Ouais. C'est bon. Tu peux y aller. On ralentit pas trop, T-Pex. Tant que la piste arrive, hein. Je crois que j'ai cassé le nez. Ouais. Hein? Non, non, même pas. Même pas ouais, ouais. Eh, frein La petite poignée jeu blanche à gauche de toi, quoi, pas besoin. Ah si, c'est bon, ouais, c'est sorti. Voilà. Putain, tu as déjà arrêté là, toi? Oula. T'es là. Oh, mais il a posé 2 mètres... Où il y a du monde qui arrive derrière, par contre. Comment ça? Détends-toi, tout va bien. Je bouge pas, je reste sur ma ligne. Oh là, joli. Et donc, t'arrives tard, toi, là, sur la piste? Non, sur les plots, comme c'est marqué dans le manuel. D'accord. C'est toi qui es arrivé tôt, T-Bex. T'es arrivé super tôt. Ah ouais, tu t'es posé sur une carte postale, quoi. Tu peux lâcher le parachute, hein. Attends, c'est... Okay. La poignée blanche vers l'avant. La poignée blanche, celle-là. Ok. Tu sais qui fait la marche arrière, à la droite? Je suis content de moi. Moi aussi. Oh, c'est mignon, Wolf. Je prends l'air, là, bien. Joli rapprochement. Je prends l'air, les amis, je prends l'air. Ouais, ils se font des bisous, quoi. Eh bah, ben, t'es pas mort. Je suis pas mort. Ah, ça m'aurait fait chier de mourir après 2 heures de vol à essayer de rattraper un tanker qui a dit qui a été détruit malencontreusement arrivé au tanker au moment où j'arrivais quoi quand même.